Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps qu'on a fait le bloc comique et en tout cas, on est en retard. Alors c'est parti, on l'avance. Ah ouais, il y a eu des petits imprévus. Un week-end super chargé et donc j'ai oublié, j'ai pas pu avec le temps. Enfin, voilà, allez c'est parti, on le fait. Alors, on commence du coup avec samedi 1er octobre. Septembre, oulolo, octobre. On va y arriver en octobre, mais là on est loin. Alors, dimanche 2 septembre. Bon, on va faire toutes les blagues du mois. Voilà, bon, ça c'est le week-end, il n'y a pas de blagues. Alors, le lundi 3 septembre, c'était la Saint-Grégoire. Lundi 3 septembre. Et. Alors, je vous lis la blague. C'est parti. Sois raisonnable, on ne peut pas rester toute l'année sous les palmiers. Voilà. Voilà la blague du 3 septembre. Le mardi 4 septembre. Mardi 4. Voilà la blagounette. Alors. C'est. Bonjour patron. Toujours pâtissant. Ah oui, du moindre effort. Comme au bureau. Doc. Voilà, c'était pour le 4 septembre. Mercredi 5 septembre, c'est une petite tuture. Il y a un policier, enfin un gendarme, je pense, c'est un gendarme. Il dit, point d'exclamation. Ah, c'est plutôt le chauffeur qui parle. Il dit, pourriez-vous m'indiquer le chemin pour retourner à mon bureau? D'accord. Ça va, c'est pas une amende qu'il prend, mais il demande à l'agent retrouver n'importe quoi. Il croit que l'agent de gendarmerie, il est GPS. Allez, ça c'est pour jeudi 6 septembre. La petite blague. Ah bah, je crois il est arrivé au bureau. Ça se passe au bureau là. Et le pire, c'est qu'ils ont encore profité des vacances pour reculer l'âge de la retraite. Ah ouais, d'accord. En fait, tout à l'heure, il retrouvait pas le bureau parce qu'il est tellement parti en vacances que. Il s'en rappelle pas. Enfin, je sais pas si c'est le même. Et là, vendredi, déjà, 7 septembre. C'était Saint-Rennes. Et alors. C'est. Si vous préviens tout de suite cette année, je vais décider de ne plus être première de la classe. Dommage. Ça, c'est dommage. Je décide de plus être première de la classe. Et le week-end, déjà, je vois qu'il reste. On a déjà enlevé plein de feuilles dedans. Depuis le début de l'année. Samedi 8 septembre, dimanche 9 septembre, c'était la Saint-Alain. Et c'était la nativité, je sais pas. Le lundi 10 septembre, c'est dans un arbre. C'est pas un chat qui est percé dans l'arbre. Perché, bien. Mais c'est des enfants. Enfin, une jeune fille, un garçon. Je pense que là, c'est écrit école maternelle. Non, école publique. Une petite immeuble, une petite maison. Écrit ma pub. École publique. Et la fille, elle dit, je crois que je préfère aller à l'école plutôt que rester ici toute l'année. D'accord. Okay. Mardi 10 septembre. C'était la Saint-Adelphe. Adelphe. Alors. Un bébé qui boit le biberon, papa il crie. Hein. Il dit, et moi chérie, j'attends toujours mon whisky. Ah bah ouais. Ça c'est son biberon le whisky. Heureusement qu'il donne pas le whisky au bébé. Mercredi 2 septembre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? On pourrait s'amuser et se raconter des blagues, mais je les ai oubliées tout le temps. Moi, c'est pareil. Jeudi 13 septembre. Le 13 septembre. Voilà. Il se barre. La feuille, elle se barre un peu. Alors, c'était le 5 mai. Et. Alors. Il est dans le frigo. Alors, je sais pas, il dit une bonne cuisse de poulet à minuit et rien de plus meilleur. Eh ben lui, il va continuer de grossir.
Peut-être qu'il fait un bon régime. Hein. Moi, il mangeait dans la nuit, le mec. À minuit, c'est tout fou. Ah, je pourrais pas. Yes. Vendredi 14 septembre. Alors, et quelle nationalité pour votre infirmière? Je prendrais bien une suédoise pour changer. N'importe quoi. Quoi si, commander de la nourriture. Ok. Bah c'est bientôt le... Enfin c'est le week-end là. C'est le samedi 15 septembre. Et dimanche 16 septembre. Voilà. Le lundi 17 septembre. La Saint-Renaud. Saint-Renaud. Et alors, la petite blague. Retire ta casquette. Et si tu retires ta cravate. Hein? D'accord. Bon, en classe avec une casquette, non, mais une cravate, oui, enfin. Ok. Donc il dit au prof, retire ta cravate. Mais le prof, il dit, retire sa casquette. Bon, mardi 18 septembre. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle dit au téléphone? Alors, ça, au téléphone, ça a l'air de crier, ça fait. Ah! Et puis, elle dit, on dit bonjour d'abord quand on est poli. Service d'aide aux victimes. D'accord. Ok. Mercredi 19 septembre. On approche. Alors, 19 septembre, c'était la Saint-Émilie. Et donc, et voici vos frais annuels bancaires. Waouh, je comprends pourquoi je suis toujours à découvert. Conseilleur. D'accord. Et on arrive à jeudi 20 septembre. Et jeudi 20 septembre. Et bah, c'était ma fête. Donc oui, c'était ma fête le 20 septembre. Voilà, parce que moi, bon, ça s'écrit pas tout à fait comme ça, mais... Voilà, c'était la Saint-Élie. Bon, maintenant, vous le saurez. Enfin, bref. C'est quoi la blague, sinon? Alors, c'est mon mur. Non, c'est le mien. Ça fait 30 ans que ça dure. Ok, d'accord. Ça fait longtemps que ça dure, alors. Bon, voilà. Pour le jeudi 20 septembre, on passe à vendredi 21 septembre. C'était la Saint-Mathieu. Bon bah bonne fête Mathieu, à tous les Mathieu, puis à ceux qui s'appellent Mathieu, je veux rentrer dans le ventre de ma maman. Ok Mathieu. Bon bah le petit s'appelle Mathieu. Non. C'est que là, le petit est sorti puis il veut rentrer dans le ventre de sa maman. c'est pas possible. Alors, c'est le week-end. Samedi 22 septembre, dimanche 23 septembre, c'était quoi dimanche 23 septembre, si je me rappelle? Eh ben c'était l'automne. Eh ouais, on est déjà en automne. Et voilà, c'était le dimanche 23 septembre qu'on est passé en automne, et c'était la Saint-Maurice, le 22 septembre. Voilà. Et ça tombait un dimanche, c'est bien. Lundi 24 septembre. Alors, on est la blague. Lundi 24 septembre. Hé, ça me fait mal de voir comme ça. Je suis vraiment désolé, je te fais souffrir. Ok. Le mardi 25 septembre. Voilà, mardi 25 septembre. J'adore quand c'est papa qui conduit à l'école. Leur père le conduit avec un tracteur, là. Tractopène. Enfin, mercredi 26 septembre. C'était mercredi 26 septembre. C'est en cours, enfin, au médecin, je crois. Il faut montrer les lettres à eux pour voir. T'es aveugle ou analphabète? Analphabète ou aveugle? A, B, C, D, E, F, G. Alors, ça finit par... Zub. Ok. C'est écrit comme... Jeudi 27 septembre. Alors, jeudi 27 septembre, c'était
La Saint-Vincent. De Paul. Ok. Alors, casse le carreau. Ok, d'accord. Et puis, elle a dit quoi, chérie? Tu veux faire moins de bruit pendant que je parle avec le monsieur? Tu peux faire moins de bruit? Attends, l'autre, il a cassé le carreau, elle dit fais moins de bruit. Il est vénère. Oh, c'est pas possible. Et le vendredi 28 septembre. Voilà, vendredi. Vendredi 28 septembre. C'était la Saint Vincent. Arrête ce jeu violent. Je veux faire les infos. Je veux voir les infos. Ah, lui veut voir les infos. Puis lui dit tu veux voir du vrai sang ou toi papa? Tac pong tac. Il joue en jeu de bagarre. Bon, voilà, c'est le week-end. Le bon week-end que j'ai donc passé. Le week-end, donc samedi 29 septembre, c'était le grand jour et c'était la Saint-Michel. Et dimanche 30 septembre, Saint-Jérôme. On va en reparler de ce jour dans une autre vidéo. Et la vidéo du 29 septembre où donc j'ai vu Soprano, Swan et Neo. Et c'était une très belle journée, enfin un très bon week-end que j'ai passé. Ah si, j'ai été à Marseille du coup. C'était un week-end, donc je suis passé à Marseille. Voilà pourquoi j'ai pris du retard et on en est là. Voilà, on passe à lundi 1er octobre. Voilà. Lundi 1er octobre, c'est là que la vidéo se termine. Donc, on fera ça la prochaine fois. Elle a l'air d'être marrante, s'il te plaît. Donc je vous dis à plus. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et bon, bref, faites ce que vous voulez. Allez, à prochaine! J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Bref, faites ce que vous voulez.